Allez, salut YouTube, on est reparti. Alors, on n'avait rien loupé à part une dépense de 13 000 et quelques âmes pour récupérer la bague du chat qui permet de diminuer les dégâts de chute. Donc, tout de suite, nous allons du coup mettre à l'épreuve cet anneau. Parti. Aïe! Remboursé! Remboursé YouTube, remboursé! T'as le chat en l'argent quoi, ton anneau c'est de la merde mon gars! T'as le chat de ses mots! Une gueule le chat! Bon. Bon bah voilà, l'anneau ne sert à que dalle! 10 minutes de dégâts de chute, mes fesses. On va juste faire un petit tour, reparler un petit peu au PNJ. Y a personne hein, qui vend ce qu'on voudrait, j'ai l'impression. J'aimerais bien trouver des plantes. Avoir des plantes pour pouvoir. Comment dire? Plante pour vieillir les statues. Bon bah écoutez, tant pis hein. 2000 âmes, ça suffit à passer un niveau ou pas? New sup. Non. 1980. C'est pas grave. Allez, voyager. Voyageons, voyageons, voyageons. On va retourner là. Donc ça c'est le dernier que j'ai chopé. Il y a juste un truc qui me titille, c'est là moi. C'est est-ce que là il n'y avait pas deux chemins et j'en ai pris qu'un en fait? C'est ça la question. Mais si c'est pas le cas, tant pis, hein, je ferai demi-tour. Mais là il me semblait que oui, il y avait l'échelle et il y avait ça. Et là on a pris ça. Et on est parti à l'infini quoi. On n'a jamais pris ça du coup. Donc, je sais pas ce qu'il y a là. Voilà, c'était juste ça que je voulais voir du coup. Ah, salut! J'avais plus d'endurance! Cette boisson. Trop tôt, mais ça passe. À ta santé, petit. Titanite scintillante. Ok, donc là, il y avait juste un boss. Un mini-boss. Ok. Là, je te prête. Ah, puis il y avait lui. Ouais, mais j'ai pas de pierre de Pharos. Ok. Donc là, il y a un mur illusoire quelque part. Révélé par la pierre de Pharos. Qui va nous permettre, du coup, d'avoir un loot en plus. Pour l'instant, nous n'avons pas de pierre de Pharos et je ne sais pas à qui je peux en acheter. Enfin, c'est ça qu'il me faut en fait, c'est trouver un marchand qui me vende les brindilles, les pierres de Pharos, tout ça. Ah, mais est-ce que c'est pas la vieille qui peut faire ça? Ah, si, si, si. Ouais, ouais, ouais. Là, la petite vieille, elle peut faire ça. Elle peut nous vendre toutes les merdes dont on a besoin là, pour la pétrification, pour la pétrification. Pétrification ? Pétrification ? J'en perds mon français. Alors, donc,
Là, il y a le pharos. Et là, il y a la branche ancienne. 12 000. Ouais, il me faut un pharos, ça c'est sûr. 12 000. Ouais, il me faudrait bien ça aussi. Hein. Après, ça, on peut faire 100 pour l'instant. Mais c'est vrai que ce serait pas mal, un de ces quatre, de penser à venir ici en acheter. Hop, c'est parti. Parce que du coup, il y a une statue au niveau du tuto, il y a une statue aussi en haut, là. Pour la sauvegarde. Enfin, un feu. Il y a une statue encore au début, au niveau de Majula. Et c'est tout. Déjà pas mal, hein. Là. C'est quoi ça? Putain, j'ai eu peur au début, j'ai cru que c'était que des mecs en fait, plein de mecs partout. En fait non. Il y a des nains morts. Et il y a un PNJ. Fou. Mais ces gars là ils sont morts non? On est d'accord que c'est du bluff qu'il fait. Ils sont tous morts les mecs. Ok. Il y a des espèces de fantômes de machin qui vont me faire chier à chaque fois en haut. Pièce rouillée, alors ça je sais pas à quoi ça sert, il y en avait aussi dans le 1. On comprend pas l'utilité. Enfin je ne la connais pas plutôt. Ah ça j'adore ça. Quand tu mets un coup mais que le jeu te dit non. Ok. Un boss, boss droit devant, et donc boss, oui. Ouais, je me disais bien que c'était un boss aussi. Sauf que c'est fermé. Peut-être pour autre chose qu'il a parlé d'une princesse. Bon, je m'attends bien à une princesse à tuer. À annihiler. Oh, on est chaud. Oh putain, mais sérieux quoi. Ah, on arrive à un point où en fait mourir sur un boss ça me va, mais mourir sur des mobs ça me va pas. Ça me va pas du tout, ça me saoule. Mais mourir là-dessus quoi, c'est débile. Allez, j'y retourne. Tant pas compliqué. Attends, non. T'es sérieux là? Ah j'ai eu peur. J'ai eu peur. Pendant une seconde j'ai cru que le mur allait se voir, genre j'avais dans le cul, mon item était placé et c'était à vie fini. Yes. Prêtez serment. Oh non. Non, pas prêter serment. Quoique si on prêterait serment, peut-être qu'on pourrait monter sans fight du coup. Et moi je ne prête pas serment, moi, messieurs dames. Au moins pas ça.
Putain, mais je surestime la portée de mon katana. Hein. À chaque fois, je me dis ça va toucher, et en fait, mais pas du tout, hein, c'est à 10 000 mètres, quoi. En même temps, il est long, regardez-le. Pourquoi ça touche pas? Ça devrait toucher. Pas mal d'âmes sur eux, pas mal d'âmes. Bon. Les mines, elles sont où? Elles sont là. D'accord, il y avait une bombe. Tranquille. Putain, sérieux, ça commence bien à bien faire, là. Mais arrêtez avec vos bombes! L'esprit de Borza m'a envahi. Borza, qui es-tu, Borza? Borza, s'il te plaît, arrête ça tout de suite. Ça ne se fait pas, voyons. Je vais mourir, de toute façon, je vais mourir. Ah, Borza, c'est de ta faute, tu m'as stressé. Putain, je me fais envahir, quoi. Et du coup, ça bug. Ça bug comme je me suis fait envahir. Non, c'est bon. Le jeu est ok. C'est bon, ok. Ah là là. Bon. Ces petits nains là, ils m'embêtent un peu là. Ces petits bonhommes. Ils font vachement mal, hein. Ils mettent deux coups, je meurs. C'est assez ouf. Oh, il y a un objet là-bas. J'ai jamais vu. Ça se fait que j'ai jamais vu. J'ai pas regardé, peut-être, je sais pas. C'est trois fois que je passe. Ok, bon, comme d'hab, y'a pas de soucis avec eux. Hein. En plus, une fois qu'on est en haut, qu'il y a les trois mecs, là ça pose plus de problèmes. Ils sont un peu trop à mon goût. Où sont mes âmes? Elles sont là. Ok. Là, je voulais le backstab. C'est bon, c'est des pas d'éléphant. Forcément. C'est bon, il n'y en a plus? Il y en a peut-être encore un quelque part, caché, planqué quelque part. Oui, toi. Je savais bien que tu te planquais. Termine. Ok. Donc là, je peux faire sonner la cloche, c'est ça? Ok, bah let's go. Hein. Sonne les cloches, cloche là. Hein. Du coup, après, il y a celui en bas qui est méchant. Qui... C'est un truc qui a une porte qui s'ouvre. Oh, il y a des... Oh, il y a des gargouilles comme dans le 1. Attends, mais c'est le 1? C'est le château du 1, ça? C'est quoi ça? C'est le passé? C'est le passé du 1? Oula. Je ne comprends pas tout. Ah si, c'est ouvert la porte du boss. Ah oui, c'est ouvert ça. Ah oui. Logique. Et ça, c'est les gargouilles. C'est ça? Boss gargouille.
le problème c'est qu'il y en a plusieurs en fait. Ah puis ça dash, tranquille. Bois, vite. Ok. Ah oh, c'est pas le feu hein. Il se réveille hein? Non, on va en avoir 3, putain. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Pas autant. Non, je suis une. Là, je vais être dans la merde. Putain, le tourbillon. C'est chaud, les gargouilles. Je sais pas si je devrais faire ça maintenant. Je... Niveau de dégâts, c'est tendu. Voilà, faut vraiment que. Je pense que je vais le retenter quand même. Mais je pense. Soit niveau de dégâts, c'est tendu. Soit faut vraiment que je me mêle le cul. Vraiment de taper la première. Pour pas que ça me déborde. Parce qu'au moment où je suis passé à 3, c'était fini quoi. Je peux rester à 2. Ou même peut-être qu'il y a moyen de gérer d'en avoir qu'une, un peu comme les 4-3 là dans Dark Souls 1. Mais là, la fin est beaucoup trop. C'est le bordel! Ça va, j'ai pas pris de dégâts grâce à mon anneau du chat. Et oui, eh oui, l'anneau du chat, l'anneau du chat. Heureusement qu'il est là. Je viens de perdre 10 000 âmes. Fais chier. Après le boss, ils m'ont filé 15 000. Ça aurait été 25 000 âmes, quoi, du coup. Ça aurait été cool. Tout ça à cause des nains. Les nains. Zéro, yes, 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 yes. C'est les gars, on dirait les gargouilles quoi qui font ce bruit quoi, sans déconner. J'ai eu chaud, j'ai eu très très chaud. Mais Borza, dégage Borza. Ah Borza, tu casses les couilles. Et qu'il insiste, hein, Borza. Borza, tu me casses les couilles. Vas-y, viens. Il y a un trou, là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Saute dans le trou, Borza. Borza, saute dans le trou. Borza, saute dans le trou. Ça m'a touché! Ça m'a touché, quoi! Salut, Adrien! Ah, et Artorias. Pour moi, c'est le pire, tu vois. Pour moi, c'est vraiment le pire du pire, Artorias. On s'éclate, hein, Borza. Putain, pourquoi le mec, il vient m'envahir, là? C'est vous les pires, mais c'est le pire, c'est Borza. Le pire, c'est Borza. Regardez-moi le, là, fier de lui, là. Ah, j'ai tué quelqu'un. Je l'ai envahi.
C'est ouf à quel point on se fait envahir sur le 2. Mon gars, sur le 1, je me faisais envahir 0, moi. Je me suis fait envahir 2 fois sur le DLC et les mecs, je les ai tués, quoi. Même l'Artorias, il est chaud. Franchement, Artorias, c'est vraiment chaud. Bah, Manus, moi, tu vois, c'est mieux passé qu'Artorias. Artorias, ça m'a pris vraiment genre une journée entière, alors que Manus, ça m'a pris une petite soirée, quoi. Je crois que de toute façon, là, je suis un peu à la merde. Parce que j'aurais clairement dû claquer une effigie humaine au feu et reprendre de la vie, mais bon, tant pis. On va le tenter. Moins de dégâts d'ailleurs. J'ai l'impression. Non, ça va en fait. Manus, Manus. Allez, c'est parti. Ça n'a pas touché. Aïe aïe aïe. Douleur. De la foudre. De la foudre. Mais attends, mais c'est trop rapide là. Pourquoi on a sorti 3 d'un coup? Pourquoi ils sont tout le temps 3 les mecs? Pour au début, il y en avait que 2 tout à l'heure. Puis après, il y en avait 3. Là, c'est 3 tout le temps. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Franchement, est-ce que je suis censé faire ce boss maintenant? Je suis en train de me demander, hein, vraiment. Ça me paraît chaud, hein. Oh, est-ce que vraiment je fais ce boss-là? Peut-être faire autre chose. Master, si t'as pas aimé Artorias, tu vas détester un boss de DS2. Ouais, non mais... C'est pas que j'ai pas aimé Artorias. C'est qu'il était chaud. En fait, moi, mon problème avec Artorias, c'était l'endurance, en fait. Tout ce que je fais, mon endurance, était claqué trop vite. Et j'avais rien pour la régénérer. J'avais pas le bouclier, j'avais revendu comme un connard. Et j'avais rien pour régénérer mon endurance, et du coup... Quand il fallait faire 3-4 roulades d'affilée, là, parce qu'il faisait 3 saltos... Et ben après, s'il renchaînait derrière, je me prenais des dégâts forcément, quoi. Donc c'est pour ça que c'était compliqué pour moi de le gérer, mais... Au bout d'un moment, quand tu le connais par cœur... Des fois, tu apprends à juste t'éloigner. Mais gros, mais arrête le nain! Sois mignon! Bah Manus aussi, il est ultra exigeant. Ça m'a cramé les miches, putain. T'as pas le temps. Ouh. Erreur du joueur français qui va mourir en poule. Je vais crever. Ah bah allez-y les mecs, faites des combos, hein, on dira rien. Et le voleur piqué, et le lance-flamme, et le...
Et on nique ta mère, putain. Ouais, tu peux tricher avec l'armure d'Avel, ouais. Ouais. Après, personne t'a demandé de tricher. Pas obligé de le faire. Hein. Bon, par contre, moi, ce boss, je vais le faire plus tard. Je me sens pas prêt. Je ne me sens pas prêt. Ouais, je suis content d'entre les gargouilles. Très content. Très content. Donc on venait de là. Là on peut pas ouvrir. Ouvrir nulle part. Là c'est... la prison. La prison du château. Ok. Pas de soucis. Ah! Et ça, c'est l'ascenseur de la tour? C'est quoi ça? Juste l'ascenseur de la prison? Ok. Ok. Tirez le levier. Et là, il va me remonter un truc énorme avec lui. C'est ça. Il y a un monsieur sur l'ascenseur avec. Vu qu'on l'ascenseur est gros, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose avec. Essayez de tricher, je regarde. Ah non, ça a l'air juste dégueulasse. C'est une cage. Une cage géante. J'ai vraiment envie d'aller là. Bouf. Bouf. Bouf, hein. Pas trop envie d'aller là, moi. Désolé, hein, je suis indécis. Hein. La vie. C'est la vie. Intensité du feu, intensité du feu, d'accord. Les intensités de feu. Ok. Ok, je vais aller par là, je vais prendre l'espèce d'ascenseur qu'on avait vu ici dans la tour. Je préfère aller ici. Je suis passé à côté. Mon estoc était si belle, pourtant. Elle méritait conclusion, quoi. Mais non. Le jeu a décidé autrement. Le jeu a dit merde. Ah oui, c'est lui. Ah, ok, toi bien. Voilà. Et voilà. Hop. Tac. Voilà. C'est parti! Merde. Une arbalète toute seule qui se promène. Putain, si je tombe dans la folle, je meurs! Ah, j'aime pas les trucs comme ça. Oh, ça pue un peu là ici là non? Ça sent un peu mauvais? Oh, j'aime pas être dans l'eau comme ça jusqu'au genou. Ça fait peur. Il y a eu un truc là. C'est quoi ça? Oublie-moi, oublie-moi.
Rentre chez toi, oublie-moi. Oh, appelle l'ascenseur vite. M'en vais. Non mais horrible. C'est quoi ce mob? Il y en a un, il y en a deux. Il y en a combien? Il y en a un très énergétique, a priori. Allez, viens. Je t'attends. Je bouffe toutes mes gemmes quand même, ce serait dommage. Ça va le faire. Voilà. Ouh, il m'a foutu les boules de ma vie, cet enfoiré. Enfin, j'ai vu des trucs qui sortaient de l'eau, c'est... Moi, je voyais des tentacules, je me suis dit, ça y est. Je vais avoir un espèce de serpent de mer géant ou un Cthulhu. Oh non, mais ce que je déteste le plus dans les jeux, c'est les serpents. Et les crocodiles. Alors du coup, donc de la flotte ici jusqu'aux hanches, je sens bien la mer venir. Hein. Je sens bien le croco ou le serpent. Alors, peut-être pas dans Dark Souls, mais dans pas mal de jeux. Il y a une lumière ici. Je crois entendre des bruits chez moi, mais non, il n'y a personne. Chaîne de partout quoi. Ah, ça s'ouvre ici, ok. On peut essayer de fouiller un petit peu. Quand même. Quand même, fouille un petit peu. Hop, c'est parti. L'autre côté. Ok. Et pour toi, ça servit. Graines de feu. Bonjour. Est-ce que je le tue ou je le tue pas? Bon, YouTube, on s'arrêtera là-dessus. Allez, à la prochaine!